Ouais, on arrête. Hein. Ton invitation. Radio Cactus, il est 20h. Heard you on the radio. Froid bêcheur, c'est ça? Maqueras a dû vous l'enseigner de quoi m'être utile. Une petite mélodie pour alto me trotte dans la tête depuis des mois. Notez, je vous prie. Da, 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 da. Salut à tous, les amis, les auditeurs, auditeurs de Cactus. Me revoilà donc, comme tous les premiers lundis du mois, pour l'émission Ma Dose de Dub. De 20h à... on verra. Je serai donc ce soir en compagnie de Romain, alias Rustic Sound System, et Fabien, alias Captain T, du Naturalify Sound System. Tous deux ici pour parler d'eux, bien sûr, du dub et du festival qu'ils organisent et qui aura lieu le 23 et 24 juin à Arthay, en Saône-et-Loire. Le Dub Field Festival. Donc, je vais leur passer un petit coup la parole. On va commencer un petit peu avec eux aussi. Donc, dites-nous, voilà, pourquoi vous êtes là ce soir déjà. Yes, man. Bah, merci pour l'invite déjà, c'est cool, ça fait plaisir. Et ouais, on vient présenter le festival. On organise un festival le 23 et 24 juin à Arthay. Ça s'appellera le Dub Field. Et voilà, on a invité plein d'artistes, alors c'est local, international, et on vous a prévu une petite sélection en lien avec tous les gens qui vont venir ce week-end-là. Ok, donc on en parlera donc au fur et à mesure de l'émission, on va parler un peu de la prod, des artistes qui sont là. Donc Romain, t'avais un petit truc à dire aussi, vas-y. Ouais, carrément. Merci de nous accueillir. Nous, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir une émission dub sur Radio Cactus. Il y avait déjà assez de la bonne avec Alex et Léo. On a la rue des Ogres. La rue des Ogres avec Manu. Ça, c'est top. Et là, de voir qu'il y a ça se développe comme ça sur Radio Cactus, la petite radio locale, ça fait vraiment du bien. Donc, on est content d'être là avec toi ce soir. Et c'est cool. Radio Cactus, c'est une radio ouverte d'esprit, musicale. Ouais. Donc, il y en a pour tout le monde. Alors, on va commencer. Je vais vous passer un petit morceau là pour commencer tranquillement. On enchaînera derrière avec un morceau de la prod, je crois, de Romain, de Fabien. Non, on va mettre un autre. Mais voilà. Après, voilà, on va pendant la soirée, voilà, ça va défiler des morceaux de ma sélection et des morceaux à eux de leur prod, des morceaux qu'ils aiment. Des productions, il y aura tout. Voilà, il y aura un petit peu de tout. Il y aura du dub plutôt roots, il y aura du dub électro. Voilà, il y en aura pour tout le monde ce soir. Ouais, ça va être cool. Donc, on attaque tout de suite avec Underground et le titre Critical feat. Brother Culture. Morceau datant de 2016. On va se faire un bon petit début d'émission tranquille. Allez, bonne écoute à vous. Original jig into the man like brother culture scene. Original roughneck ragamuffin rasta MC from Richmond Southwest 9. When we come, we won't come alone. Walk with the spirit of the most high God. Cha, Rastafari. Now listen to the track. Listen to the rhyme. You don't know. Wicked can't hide. Go along, they roll their microphones. Go along, they entertain everyone. You don't know that. Go along, they roll their microphones. Just
sensation. Critical, critical, critical kind of style. Step on the microphone, make up the full versatile. Go long, me round the microphone stand. Go long, me entertain everyone. You don't know that. Go long, me round the microphone stand. Ben voilà, on a démarré tranquillement, en douceur. Ouais, c'était bien cool. On a apprécié, nous, ici, je sais pas vous. Carrément. On va continuer donc maintenant avec un morceau de la sélection de Romain et Fabien. Donc, ouais. Moi, je vais vous mettre une petite track là, un petit vinyle Kingston City qui s'appelle de Junior Ross. Comme tu as expliqué d'ailleurs dans le Cactus Mag, là, un peu la base du dub, quoi. À la base, c'est le reggae, quoi, le roots. Donc là, on va essayer d'écouter un vinyle roots avec la version dub aussi ensuite. Quoi. Ok, c'est parti. Merci de la technique. Hey baby, this song is specially dedicated for you. And I want to know it's real. Alright. In Kingston City, right, well, a ghetto woman who I love so well. One day as I was coming home from work, she was going out with an uptown man. Oh, mama, you don't know. The pain's so great that I have to bear.
On était bien dans le roots là, le vrai. Yeah man. Ouais, c'était bon là. Yeah. Il faut qu'on s'écoute la phase B du coup, le dub, la version dub. Voilà, donc là on va passer sur la phase B du vinyle là qui est en cours. On a notre ingé son là qui est en train d'organiser le truc là. Merci Alex. Et yeah, donc c'est parti. Thank you.
Bon, bah, c'était cool encore cette version, cette phase B là. Donc, on a échangé pendant ce temps-là. Et voilà, on va continuer d'échanger. Et je vais passer la parole à Romain et Fabien là qui vont nous parler du dub. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que c'est le dub? Ouais, comment on est arrivé au dub? C'est vrai que c'est ça le truc nous, qui nous tenait à cœur, quoi. C'est, donc comme je disais à la base, c'est le reggae, quoi. C'est la phase B, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, la phase B de la du track vinyle, originale, quoi, du vinyle. Carrément. Souvent qui est, souvent c'est instrumental avec pas mal d'effets dessus, quoi. Et, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. À la base, le dub, c'est une erreur. Hein. C'est un gars qui jouait un morceau de reggae qui avait oublié de couper la voix. Et il y avait un effet dessus et bam, il a arrêté la voix et bah c'était ouf, c'est du dub maintenant, tu vois. Mais en vrai, c'était une erreur à la base. On a un peu une rythmique aussi un petit peu différente. Ouais, souvent, ouais, on rajoute, carrément. On entend plus de choses, surtout dans les percus, ça se ressent bien ouais, sur certaines tracks. Voilà, ouais, puis t'as l'effet Rasta, tu vois, t'as le style Rasta qui est rentré dans le reggae et qui fait que t'as ces percussions, ce rythme Nayabingi. Ouais, voilà. Carrément. Et dub, voilà, c'est tout ça. Hein. Et ça évolue. Il y a le dub 3000 maintenant, mais t'as des dubs du roots, t'as des dubs jungle, t'as plein de choses. T'as le dub électro, t'as tout en fait. Ouais, c'est ça qui est bon. C'est ce que j'ai dit dans mon Cactus Mag, c'est que le dub, c'est pas à l'infini, mais presque. Ah ouais, exactement. On va piocher de partout un peu. J'ai pas ramené les vinyles là, mais t'as même des artistes dub qui jouent avec des trompettistes ou des saxophonistes de jazz, et du coup ça te donne une autre performance pendant la track. Ça c'est incroyable aussi, quoi. Il y a Serge Gainsbourg qui a fait un album reggae, un album reggae, qui a son album aussi dub, du coup de l'album reggae qu'il a sorti, tu vois. Et ça, oui, ça englobe tout, quoi. Ok, c'était cool pour cette petite description du dub. On va continuer. Alors on va repartir là dans une sélection qui est la mienne, un petit peu différente, mais qui va rester, je pense, dans le style de l'émission de ce soir. Voilà. Alors on continue avec les Green Tigs, avec le morceau Look Upon Yourself, Mankind. C'est un morceau qui est de 2022. On se retrouve dans 4-5 petites minutes là. Et, bonne écoute à vous. Yeah man, un large up. Un big up aux Green Things, ah c'est les Bredas. Ils les connaissent. Ah oui. Look upon yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. You've been doing wrong all the while. Look on yourself, mankind. Know it's time to face your trial. Hey, look on yourself, mankind. You scorn the wise and reward the greedy. Look on yourself, mankind. Know you cry running after a remedy. You cut all the trees and worship money. You kill monkeys, fishes, and bees. You starve humanity for your industry. You pollute, yes, you loot without a doubt. Warnings and warnings still keep on doing the bad, the worst. You deserve your ruin. As long as vanity is your policy, mankind, you're gonna meet your sad destiny. You belong to nature, not the contrary. If you want a future, plant a lot of tree. Atmosphere needs some respect. Still is the factory that you protect. Respect yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. Respect yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. Silly time if I look at the watch. I want more flowers, want more trees, more gardens and a deep blue sea. Clean water in the rivers. We don't need a bunker, we need farmers. Look upon yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. Look upon yourself, mankind. Hey, say look upon yourself, mankind. You've been doing wrong all the while. Look upon yourself, mankind. Yourself, mankind. Know you cry running after a remedy.
awareness and consciousness should be the healing for this mess. More and more battlefields. Oh yeah, the struggle is real. You put the world upside down. Steal everything you need is on the line. The greedy one, them want it all. It's too late, they lost their soul. Et ben voilà, j'espère que ce fut bien agréable pour vous. Pour nous, ça l'était en tout cas. On a tapé un peu du pied là, on commence tranquillement. Donc, on va enchaîner. Alors, avec la sélection de, un morceau de la sélection de Romain et Fabien. En vinyle, toujours, parce qu'on est en vinyle ce soir. Yeah, donc, je vous laisse expliquer le morceau vite fait là. Yes, c'est tout nouveau, tout chaud, ça c'est Prince Jamo qui chante Roots Mankind Dead. Et c'est de ça qu'on parlait, le Roots Music qui fait partie du dub maintenant, tu vois. Et voilà, vas-y, balance la track, elle est énorme. Feu. As its deepest roots, as it is below, so shall it be above. The roots is a reflection of the leaves, and we are trees. Yo, 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 me say, no matter what them do, why it, no matter what them say, I strictly root style, I lead the way, and who make the people come for swing and sway, a righteousness defending every night and day, me say, no matter what them do, why it, no matter what them say, I strictly root style, I lead the way, a musical gun, it have a bullet, and a trigger, we have go pull it, and ask it, no ramp, we no play, me sing, say, roots man can't play. We could a light like a feather, but we heavy like clay. A roots man can't play. A who take the shackle, put the crump on them head. A roots man can't play. A who fill the multitude with fish and with bread. Say roots man can't play. A who guide the blind to be led. Roots man, them can't done from 19 whole long. Prince Buster and Blue Beater saw the scene. Coxon and Duke Reed constantly feed the need. But the people, them a reap. Music could stampede. Whole heap of man a pirate. Don't get we irate with the foolishness they said them a create. Them can't stop with me shot. No sight, no division. Kill cramp and paralyze them division. Original, say roots man can't be. They say we light like a feather, but we heavy like lead. A roots man can't be. A who break the shackle, put the cramp on them head. A roots man can't be. A who fill the multitude with fish and with bread. The roots man can't be. I who guide the blind to be led. Enough man a play dub. Them tune forget scrub. Peer foolishness a lick out on the street. And I make me kiss me teeth. When I want go move me feet. Can't even see with culture in you know the music. When them letter blows beat them down with real tune. We sweep them like broom. When the frequency we turn and we are trick. Creation so strong, we roots them so long. Like a soldier, we are defend when I go weak. That's why me sing, roots man, not dead. We could have light like a feather, but we heavy like lead. Say roots man, can't dead. I will break the shackle, put the crump on them head. Say roots man, can't dead. I will fill the multitude with fish and with bread.
a roots man can be. I will lead the blind to be led. The roots man can be. Put a light like a feather and heavy like lead. The roots man can be. I will break the shackle and crump on your head. The roots man can be. Yes, et ça c'était la version voix. Et maintenant on va s'écouter la version flûte, une dub style. Hein. Dans le tranquille pour l'instant là. Yeah, c'était man. Un petit morceau cool là. Histoire de planer un petit peu. Yeah. Bah, j'ai toujours Romain et Fabien avec moi. Alors là par contre on va enchaîner sur un petit morceau de ma sélection. Juste avant, je tenais à faire un gros bisou à mes deux petits loups qui sont à la maison là, à Tom et Ambre. C'est l'heure d'aller au dodo les enfants maintenant. Allez papa, il vous retrouve demain matin. Allez, on continue donc avec un petit morceau. Alors c'est une petite dédicace à Manu de la rue des Ogres. C'est un petit Massilia Sound System avec le morceau Jump Avo de l'album Massilia Fait Tourner. Album sorti en 2004. Et ben voilà, c'est parti. Hein. On y va. Thank you.
suona la ciurma della mezzo. La gioiosa compagnia, manti la linea e la linea. La gioiosa compagnia, manti la linea e la linea. E che ve ne sveresimo, sì. E che ve ne sveresimo, sì. Veni se caino figlio, manti la linea e la linea. Veni se caino figlio, manti la linea e la linea. Giunta voce, si alza di plaio, ma la giunta voce. Ogni ade per tu, a chi di figlio ogni ade per tu, che la basso di carino, manti la rina e la lilla, che la basso di carino, manti la rina e la lilla, la mia nonina se bon truva, la mia nonina se bon truva, che non è sa mai purino, manti la rina e la lilla, che non è sa mai purino, manti la rina e la lilla, giù a voi. Per tu pa' che satana giù pa' mo e ne sta cilembo ne fa giù pa' mo e lo fuoi camenna ci fa giù pa' mo e spallo un momento e metti là giù pa' mo con lo mare di espasa capa giù pa' mo e la chioma ma se ne schiuma giù pa' mo ma lì giù pa' culega giù pa' mo c'è lo vuoi pure quando giù pa' mo o ne vedi tu mani con lo vuoi c'è lo tutto lo vuoi sotto giù pa' mo come tu lo vuoi giù pa' mo c'è qui giù pa' mo. Mi sao per la scala giù pavò. Ti vuoi la canzone con che giù pavò. A mentre lo vuoi sta su pa giù pavò. E me lo feliz pa se casta giù pavò. E me ne sputa lo passi da giù pavò. E a giù po' si rimencanta. Sento dei si e guardo dei là. Sento dei si e guardo dei là. Con le spade la partita. Manti la rina e la lilla. Con le spade la partita. Manti la rina e la lilla. Et voilà. Et ben après ce super bon morceau des Massilia Sound System, c'est au tour de maintenant de Bamix et le morceau Camarade, issu de l'album Camarade, sorti en 2020. Bonne écoute, c'est parti pour 5 minutes 40 de bonheur et de camaraderie. À tout à l'heure. Camarade,
écoute-moi, oh camarade. Une ville entière par des manifestants. Les révolutions du monde arabe. Révolution du monde arabe. Bon, bah voilà, c'était cool ce petit morceau bah, un petit peu revendicatif des dubs à mix. C'est ça le reggae, c'est ça le dub, c'est ça le roots, c'est. Voilà. La propagande dans cette émission! Pas du tout, pas du tout. Reggae music is a music with a message, you know? Donc là, je vais laisser la place maintenant à. Je crois que c'est Romain qui nous a fait une petite, petite sélection. Donc je lui laisse la parole et puis il va envoyer son morceau, voilà. Ouais, on va se réécouter un petit vinyle là sur le label de Jashaka. Donc c'est aussi un petit hommage parce que Jashaka c'était une grosse figure du dub qui vient de décéder là il y a une semaine, 15 jours. C'est un des premiers quoi, et c'était un ancien. Donc là c'est une track du Young Warrior, son fils du coup. Voilà. Et du coup c'est l'histoire de lui rendre un petit hommage. Et puis je rebondis aussi sur la musique que t'as mis de Dubamix hein. On peut écouter tous les albums, hein. Toutes les musiques qu'il fait. C'est bon, Dubamix, ouais. C'est vraiment partagé, quoi, entre le dub. Comme tu dis, il y a de la revendication, mais il y a un peu de drum and bass parfois, un peu de techno. Ouais, ça part un peu dans tous les sens, fois. Ouais. Non, mais c'est vraiment sympa, ouais, ça à écouter. Allez, merci, l'ingé son. Balance-nous. Mais c'est vrai son. Que j'ai un peu cassé le truc. Non, c'est parti. Encore un bon copilote ce soir.
Yes, cool. On va s'écouter la phase B. Alex, il s'occupe de tout ça. C'est lui le technicien vinyle ce soir. Enfin, technicien tout court. Ouais, technicien. Je le remercie. Merci, Alex. Bah voilà, c'était cool aussi encore ça. Encore une petite découverte pour moi. Moi, c'est des choses, voilà, je connais pas trop encore. Enfin, il y a des choses que je connais, mais... C'est ça qui est cool, c'est le partage. Ouais, tu nous fais découvrir des trucs et nous aussi. Et on échange, on toujours. Échange tout ça, ouais. Toujours. Bon, je vais laisser la parole maintenant à Romain et Fabien, qui vont parler du dubfilm maintenant, parce que c'est vrai qu'à la base, on est là pour ça. Enfin, pas que, mais on était là pour ça. Alors nous, on en parle entre nous, mais on n'en a pas parlé avec vous. Donc maintenant, je leur laisse la parole et eux, ils vont vous parler du dubfilm. Allez, à vous. Eh bah écoutez, le Dubfilm Festival, du coup, pour nous, c'est notre premier festival, quoi, en fait. Parce que l'association French Line Connection, ça fait un moment déjà. Ouais, ça fait presque 15 ans qu'elle existe, hein, mine de rien. Ouais. Donc, nous, c'est surtout des soirées, petites soirées, émissions de radio où on a le label de musique aussi, Bellule. Ouais, carrément, il y a Bellule Studio, qui existe, qui sort des prods, ouais, carrément. Il faut aller checker le Bandcamp, d'ailleurs. Carrément, cool. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse scène reggae dub dans le coin, là, dans le Charolais. Nous, c'est un peu un défi. On aimerait essayer de promouvoir ça. C'est ça, en fait, ça existe autour des grandes villes. Tu tapes Dijon, Chalon, Lyon, Saint-Etienne, Clermont, il y a ce genre de choses. Là, dans le Charolais-Brionnais, au milieu de tout le monde,
Eh bien, il n'y a pas ça. Et là, on va apporter ça et ça va être plutôt cool. On a des bons artistes, tu vois. On arrive à faire venir des gens type Aration Stepa, tu vois, qui sont là. Les gars, ils viennent de Leeds, tu vois. Ils font le tour du monde et ils vont arriver à Arte, 300 habitants à Arte. Et là, ils vont faire venir. Mais justement, c'est ça qui est bon. Ils seront bien à Arte. Exactement. Et parfait. Puis, ils sont super chauds. Du coup, il est super chaud, Marc. Parce que, bah voilà, ça va être bien. C'est un petit endroit. Il va être logé juste à côté, dans le gîte chez Lily, ça s'appelle, tu vois. Ouais. Juste à côté, ça va être super classe, quoi. Mais c'est ça, nous, qui nous faisait envie, quoi. On voulait faire le festival comme à la maison, quoi, chez nous, enfin là où on habite, parce que c'est cool ici, quoi. Carrément, et puis du coup, on essaye de faire beaucoup de local. Mmh. Ouais, on essaye de faire Normal. Bouger tous les acteurs locaux. Alors, il y a tous les. On se rend compte que tous les commerçants du coin nous soutiennent. Tu vois, et ils sont heureux de faire ça et ils sont là pour nous. Peut-être au niveau boisson, tout ça aussi, vous travaillez un peu avec des producteurs un petit peu locaux. Bah ouais, on va travailler avec la bière. Avec la cave à Chambilly déjà. Et puis après aussi, on brasse une bière. Enfin, on a déjà brassé une bière on avec Julien, la brasserie Luminet qui est à Chenel-Châtel. Ok, de lui, il tourne sur plein de festivals et plein de soirées, il est très connu. Ouais, puis on a été faire notre propre bière, mine de rien, pour le festival. C'est cool, c'est encore un petit truc en plus. Pareil, énorme. Sur tous les commerçants de Marcigny, ils sont vraiment partants pour nous accompagner, ne serait-ce que pour déposer des flyers, des affiches, et puis il y en a qui ont participé, quoi. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. On a aussi le magasin Herboristerie Bien-être à Marcigny, quoi, qui va poser un stand pour le festival. Il y a des food trucks. Voilà. Et puis du bon son, il y aura un beau chapiteau, il y aura les food trucks qui viennent pour... Il y aura de quoi manger, boire, tout ce qu'il faut pour rester là pendant deux jours. Carrément. Camping. L'idée, c'est ça, il y a un camping. Ouais, tu peux garer ton camion, ton camping-car, ce que tu veux, on va être bien. Normalement, les food trucks, on devrait être bien rassasiés parce qu'on a un burger, un gars qui fait des burgers maison, un gars qui fait... végétarien quoi. Végétarien, high-tile food. Voilà, et puis après Panini qui va bien. Ça, il y en aura pour tous les goûts en vrai. Ouais. En espérant qu'il fasse super beau. Il va faire super beau. 23 juin, il y a moyen que ça tape. Parce qu'il y a la Loire qui est pas loin en plus. On peut aller se poser un peu en bord de Loire. Wow, on est pas très loin non. Faut éviter parce que du coup, c'est zone nature à 2000. Donc, à côté du festival, un peu plus loin. Mais bon, ok. Eh ben, vous voulez encore me dire un petit bout on en dira peut-être un peu plus tard. On va prendre un petit peu la parole, annoncer un peu les artistes un peu plus tard. Ouais. Voilà, ok, ça marche. Bon, et ben, alors là, moi, c'est moi qui reprends la parole. Je vais. On va enchaîner sur ma playlist à moi maintenant, mais on va continuer dans le style, je pense, du Duffield un peu. On va passer un petit morceau de Panda Dub avec le morceau, donc, Lens Roots de 2013. Il est 2013. Voilà. Allez, bonne écoute à vous. Working, bricks keep stirking. Bubble with a super slang thing. Fire.
up, get up, use. Bon bah voilà, on s'est fait un petit panda dub. C'était bien bon tout ça. Donc on va continuer avec un petit morceau de l'entourloupe. Voilà, ça faisait longtemps. C'est Dirty Money avec Youstar, Nzeng, Scaramucci. Ça vient de l'album Chicken in Your Town, paru en 2015. Allez hop, c'est parti. Bonne écoute à vous. I got a house in the mountains, not long ago. Wanna tell you I get there, you wanna know. Me and my friend Johnny, taking it slow. Rolling real deep, take it on a down low. Get some info that somebody got though. So I call him up just to let you know. I say, hey Johnny, come over, Johnny boy, let's go. Right away he showed. He came over in an old Jaguar, full with guns like he's ready for war. Really and truly, somebody got dough. I got a lot of guns and shot, don't you know? Checking at my bell and holsters on with the cannons in, making sure the piece is loaded, giving it the barrel spin. Now that we're locked and loaded, I got the blueprints open. It's time for radio checks and the getaway was stolen. Got some extra ammo strapped around my waist, just in case the clock show up. I try some shooting up the place. The plans are going through the front with the masks on, hoods off, games on. Everybody get down, it's a robbery. In both hands, I got revolver 9 millis rolling. I can old school western, cowboy in the movies. I jump over the desk and grab the clerk around the throat and pistol with the motherfucker, cause he said the bank's broke. Then pull a bunch of keys out with an old crime through his life for giving out directions to the vote. I grabbed him by the tie, screaming, trust me if you're lying, my mate will blow your head off in some pieces till you're whacked in. Me and Johnny boy, we got the keys of crack and opening. We're open for the millions, it's that to pin the cash ring. Next minute, man, the door swings wide, put aside for them sore eyes. Bare cash piled high, filling up the bags, faster than the speed of light. Suddenly there's bright flashing lights, alarm bells on the side. So we're quicker and quicker, and grab the bags and the trigger, making the way to the exit. The driver's set in position, the inner sirens getting louder as we get out the building. And then off a couple of shots to get pedestrians moving. The getaway ride reaches up to the side, the entourloupe's inside, used to hops and a ride, yeah. Me and Johnny get the money long time, money. 2 minutes since we cross the train line. Me hit the police siren, that's fine. We escape before they blow, it's a crime. Me hit the bus station and the railway.
And next thing Johnny take the highway. And we all done with the money get paid. The old gangsters know to get away. Qu'est-ce qu'on fait? On planque l'oseille ou on fait demi-tour? Pourquoi on a rien à surprendre, mec? C'est de l'argent tout ce qu'il y a dans la tête. Tu leur expliqueras ça à ces cons. We got the money, yeah. We got the cash. Old gangsters look how we trash. We got the money, yeah, in our stash. Look at the ride them, what we a flash. Look how we handsome, look how we act. The girls them just love we like that. Look how we man chant on the hill top. I want my dirty money, what we got, got. So give me the, so give me the all that you got. Hey, Mr. Bank, you're locking me all the money. Top one like I see you are up money. Give me the money, make me go home while it's sunny. Give me the money, hear what me I say. Ils vont sûrement nous prendre pour des gars de la Banque de France. Non, laisse-moi faire, j'ai le discours avec ces gars-là. Bon, bah voilà, encore un bon petit morceau de l'entourloupe, comme d'habitude. Bon, je vais passer la parole maintenant à Fabien. Yaman. Voilà, qui va continuer de nous parler un peu du Dubfield. Yes, et je vais vous parler de la programmation du vendredi soir, du coup. On va avoir Dub Foundry, qui est le man qui a le label Earth and Power, qui fait les soirées sur Rouen. Sur Rouen, ouais. Au Diapason, c'est ça. Exactement, il était déjà passé ça. Aussi à Radio Cactus, il avait fait un petit Cactus Mag aussi avec Sarah. Carrément, et là il vient de sortir trois nouveaux vinyles d'ailleurs, là, qui sont plus lourds les uns que les autres. Ah ouais. Énorme. Après on va avoir les gars qui sonorisent le vendredi soir, c'est Wicked Stepa, qui sont des doubistes. Et là ils sont au Mexique en ce moment, en train de faire une tournée mexicaine. C'est et retournent en France. Et enfin ouais, ça va être une grosse sono, on reparlera des sonos après. Ouais, on va vous expliquer un petit peu. Et puis on a Aeration Stepa, qui sera notre tête d'affiche du vendredi soir. Allez chercher, j'ai pas de mots pour les décrire, et peut-être qu'on peut écouter un tune du coup. Aeration Stepa. On va partir sur un petit morceau là, allez, voilà. C'est parti. Ce sera plus représentatif que tout ce que je peux dire, à vrai dire. C'est sur. C'est le vinyle. Hey, allez, un geste, c'est parti. Thank you.
Kilimanjaro. Africa. 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 Bon bah voilà, encore une bonne, un bon petit son diffusé là par mes amis Romain et Fabien. C'était bien bon tout ça, hein ? Yes. Donc on va continuer, alors cette fois avec un morceau de ma sélection. On va partir avec Manu Digital, feat Solo Bonton, avec le morceau Herb In My Pocket. Je sais pas ce que ça veut dire le titre. Issu de l'album Bass Attack, album de 2018. Allez, bonne écoute à vous. Tell him one time, you have to tell him a million times. Why don't I fight it when it have so much benefits? Who's it? A little urine on the pocket. The fight against we tell him to stop it, yo. It's nothing more than some plantation figure potion on my chillama. Who now tell me what's wrong with the urine on my pocket? The fight against we put on and stop it, yo. It's nothing more than some plantation figure pushing on my chillama. Who now tell me what's wrong? But the one lock me up and behind my back and put on handcuff. Because the weed away me smoke and make me conscious. And Mr. Bobby wrong boy tell me what's up. It's just a natural herb like hibiscus. Me never know herbal tea was so dangerous. Before them fight against the weed, them should have big it up. In this time when the world gets so serious, it had the medication for bring back the love. Israel and Palestine, them would have start up. And all these terrorists, boy, wasn't so anxious. Before them bomb up the place, they would have reason for. And that the weed, you now quarrel and you now cause. From peace and love is your purpose. Wanna stop me a fuss, but with the weed in my pocket, huh? The fight against me, tell them to stop it, yo. It's nothing more than some plantation figure pushing on my chillama. Who now tell me what's wrong with the urine on my pocket? The fight against me put on and stop it, yo. It's nothing more than some plantation figure pushing on my chillama. Who now tell me what's wrong? Say hemp is a thing with many different uses. Fruit of the herb, so it is cost effective. You can take hemp bricks and build hemp houses. Even make clothes, you can make hemp choices. Take the same hemp and turn it into plastic. Shift from mother earth so it won't pollute it. So tell me now what the hemp them are dealing with. A full time them loaded the clothing on my pocket. Fight against me, tell them to stop it, yo. It's nothing more than some plantation. Figure pushing on my chillama. Who no tell me what's wrong with the urine on my pocket? Fight against me, tell them to stop it, yo. It's nothing more than some plantation. Figure pushing on my chillama. Who no tell me what's wrong? No boy can tell me if I put down my weed, come a chalice off a blaze. It off a blaze, they find it from way back when in all the days, man, Solomon's grave.
I don't guess that it says. Tell the coke and the crack or take a rest. The enemy meant I said them can't digest. Want to make an address to Congress and start for express. So we'd for legalize unless they want a race full of stress and depressed. I know that any plans, but it now go manifest. I come for cause mayhem and stop the process. I believe it's necessary for mankind to progress. We don't know, say it's a healing matter. Shine like Samson, I made the ceiling. Shatter by a phone in my hand with freewheeling chatter. So bring me ganja on a platter and watch Babylon satter. Herb in my pocket. Fight against me till them fist up it, yo. It's nothing more than some plantation. Bigger pushing on my chillama. But no tell me what's wrong with the herb in my pocket. The fight against me till them fist up it, yo. It's nothing more than some plantation. Bigger pushing on my chillam, 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 chillam. Bon, bah encore un bon petit morceau de Manu Digital. On voyage avec Manu Digital. Bon, ouais, je passe la parole à... Là, c'est Romain qui va prendre la parole. Donc, qui va continuer à nous parler du Dubfield. Ouais. À toi, Romain. Ouais, carrément. Avant de mettre un petit vinyle, ouais, on voulait voir un petit peu, parler avec vous un petit peu du sound system, quoi. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que c'est vrai qu'on parle pas mal de dub depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'en soirée, c'est diffusé, c'est un peu différent des autres styles de soirée, d'autres styles de musique, je veux dire, où c'est juste... Enfin, c'est des enceintes aussi, mais là, c'est vraiment l'enceinte, le ouais, mur de ça, son, c'est les enceintes un qui mur sont, de son, ouais, on qui peut sont, le dire. Qui est le truc principal, quoi. Il n'y a pas le DJ ou quoi, c'est vraiment ça. Ouais, il y a des sélecteurs, un opérateur. Caisson en face de, les caissons en face de la tête. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de scène, en fait. C'est posé à même le sol, et puis de manière générale, c'est construit artisanalement. Quoi. Et puis ça s'est fait comme ça. Le reggae vient de ça aussi, ouais, hein, pouvoir poser des caissons dans la rue pour pouvoir diffuser ton message. Et nous, on reste là-dessus, à fond. Et c'est des caissons qui sont construits artisanalement, qui sont construits à la main. Les wikis, c'était pas, c'est des gars qui ont fait tout à la main, quoi. Alors bien sûr, ils ont les amplis, ils ont tout qui vont avec, mais ouais, voilà, c'est un savoir-faire en vrai, c'est quoi. C'est ça qui est bon, parce que du coup, tu travailles un peu la menuiserie, tu travailles, faut réfléchir à l'acoustique, comment tu vas faire tes caissons, qu'est-ce que tu vas prendre comme haut-parleur. Ouais, la puissance. Ouais, exactement. Et c'est étudié quand même. Ouais, oui, c'est et ça puis que ça la va diffusion, plus loin, ouais. Ouais, voilà, tu parles de diffusion, ouais. Du coup, et puis savoir comment tu vas faire sonner ta sono pour faire danser un maximum de personnes. Exactement, quoi. Exactement. Et que ce soit propre, que ça te casse pas les oreilles, mais que... Ouais, lourd. Et ça c'est pour ça aussi que justement on a deux soirées et il y aura deux sound systems qui vont venir sonoriser une fois le vendredi soir, une fois le samedi soir, qui seront différents, du coup qu'on peut voir un peu les différences. Absolument, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes approches. Pareil, le samedi après-midi, ça on va en reparler un peu après, mais on a aussi un autre petit sound system. Ouais, Rustic Sound, ouais, big up man. Merci. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi l'idée, ouais, de pouvoir partager un peu tout ça. Il n'y a pas que la musique, il y a tout ce qui va avec, tout ce qu'il y a autour. Ah, c'est un monde, ouais, c'est une communauté, carrément. Du coup, on va s'écouter un autre petit vinyle, là, The Disciple. Imperial Stepper, donc pareil, The Disciple, ça Disciple, fait longtemps man. Disciple, ça fait longtemps qu'ils existent. Même de l'époque du Jashaka, hein, ils travaillaient. Oui, bien sûr, ouais, ça fait des années. Ouais. Donc, Imperial Stepping, c'est une des tunes qui ont fait connaître, Disciple. Oui. Carrément. Allez, on s'écoute ça. Good for Alex.
Bon bah voilà, elle était bien bonne cette petite track en vinyle encore là. Ah ouais, carrément, carrément. Non, eux on essaye de les passer, je crois qu'on les passe à chaque soirée qu'on fait. Soit oui, c'est le Daddy Home, soit c'est, ouais, soit c'est quelqu'un clair, d'autre. Mais c'est clair, on a tous des tunes de lui, carrément. Note-moi bien tout, Romain, j'ai je vais écrit, en avoir besoin. On va compter les vinyles en partant d'ici, je te le dis. Ouais, mais j'ai Alex qui s'occupe du stock, là, c'est bon. Ouais, Alex, il y a moyen. Hein. Bon, allez, on va enchaîner avec un petit morceau de ma sélection maintenant, parce qu'on fait une sorte de petit ping-pong, hein, finalement. C'est ça. Hein. C'est ça. On va vers l'électro, vers le roots, on bouge, on voyage. Donc là, on va continuer avec un petit morceau de Sumac Dub. Le morceau s'appelle Titania, issu de l'album Le Jardin de Lucie. Voilà, c'est un album de 2015. Et ben, je vous souhaite une bonne écoute sur ma dose de dub.
Hey. Bon, c'était bon encore aussi ça, un petit sous-mac-dub. Bon, je vais passer maintenant la parole à Fabien. Yeah, man. Qui va nous présenter les prochains morceaux là. Il va enchaîner, je pense, deux morceaux. Ouais, je vais enchaîner avec une production du Natural Hi-Fi, Bellule Studio. J'en profite pour faire un gros big up à King Simon, Melissine Roots et Daddy Home, c'est le Natural Hi-Fi Family, non? Alors celle-ci, la prochaine qu'on va entendre là, c'est Fikir Amlak sur une production de Bellule Studio. Et plant it up, ça veut dire qu'il va falloir planter des arbres, faire attention à votre environnement. Listen this tune. Et c'est parti. Yeah. So the sunlight, the rain fall down. So the seeds come up. Plant it up, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Vegetable and food, we plant it up, yeah. Trees and nature, yeah, we love it all, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Vegetable and food, we plant it up, yeah. Trees and nature, yeah, we love it. Polluting all the seas, planting up another apple tree. Feel the good vibes in the deep within the earth, yeah. I and I free. Natural no pollution for the stream. Stop killing all the bees. And do the animals don't believe. No. And so we tilling up the soil. You'll tame the weeds, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Vegetables and food, we plant it up, yeah. Trees and nature, yeah, we love it all, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up. Top. Planted, yeah. Suffering, enriching all the soil. Springtime coming, mean it's now time to toil. Build another garden, cause the seed it must boil. Replenish and encourage urban farming, never fall. We want it to walk barefoot and cherish olive oil. From the depth I arise like holy snake oil. To the valley I will chat, no protection, no gargoyle. In the river I will be a hundred buckets high. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Plant it up, plant it up, plant it up, yeah. Vegetable on food, we plant it up, yeah. Trees are nature, yo,
comme je disais, le reggae music a un message. Et tu vois, ça, c'est message pour l'environnement. Plant it up, plant it up. Et on va s'écouter la version dub, la version reggae music. Yeah, man. Bellul Studio. Alors je crois que c'est un morceau de la production de Fabien. C'est ça, c'est Bellul Studio, King Simon et Captain T. Toujours, enfin moi j'ai été transporté là, c'était bien cool, c'était voilà, c'était un très très bon morceau. Bien mal, merci. Donc on va
continuer maintenant, on enchaîne avec un petit morceau de ma sélection, toujours. Donc on va continuer avec les iTunes. C'est le morceau Human Bass. C'est iTunes Meets Improvisator Dub, issu de l'album Ivisator. Ce morceau, c'est une petite dédicace à mon pote Bart, mon pote du Beaujolais, qui, le dub, je l'ai découvert grâce à lui. Donc, petite dédicace à mon Bart. Et c'est parti pour 4 minutes de plaisir. Morceau des iTunes encore. Alors, il n'est pas tout jeune celui-là, mais il est toujours au top. Franchement. iTunes, je crois que c'est indémodable. Hein. Tu peux les réécouter tout le temps. C'est ça.
Ça, c'est le Hightone est dans la place. Alors je vais laisser la parole à Romain là. Ouais, on va reparler un petit peu de, on va revenir un petit peu sur le Dub Festival. Je voulais vous parler du samedi après-midi parce que du coup c'est donc 23 et 24 juin. Donc 23 c'est le vendredi soir et le samedi on commence à midi jusqu'à 18h. On va avoir une petite scène donc animée par le Rustic Sound System. Donc c'est un petit sous-système local hein, qui a été créé par toi-même. Bah par moi-même. Je voulais pas le dire mais oui c'est ça voilà. Bah si t'as le droit. Hein. Faut faire de l'autopromotion un peu des fois. Et du coup ouais, l'idée c'est de faire jouer que des artistes locaux quoi, des Bourguignons. Si ouais c'est Bourgogne-Franche-Comté voilà, carrément. Ouais. Ouais. Et donc on sera 5 crews à jouer dessus voilà, pour l'après-midi. On va essayer de profiter avec le soleil. Oui bah bien sûr ouais, on va jouer donc Rustic Sound, on va avoir Rootstone, Selectress Gwyn, Misty Root, Sci-Fi, Black Hole, Fit Bonsai. Et ça. Je crois que j'oublie personne. Ah tout le monde est là. Tout le monde est là ouais. Mais ça va être cool ouais, c'est les acteurs locaux hein, c'est ouais, ceux qui font tourner ça, la soirée la scène dub du coin qui sont là, c'est la relève. Et ça va être cool, ça va être cool, ça va. C'est de midi à 18h au niveau du camping. Et voilà, ça va permettre de pouvoir passer le temps tranquille, tu vois. Être bien, de se reposer avant d'attaquer la soirée. Exactement, ouais. Et étaler, ouais. Vous allez étaler ça sur tout le week-end, en fait. Ouais, c'est non-stop. Non, presque. On va arrêter à 3h du mat, mais à midi, il y aura du son qui redémarrera tranquillou, ouais, tu vois, rester dans l'ambiance. Quoi. Histoire de chiller tranquille. Pour le café du matin. Ouais, c'est ça. Histoire de chiller tranquille. Ouais. L'après-midi, c'est pour ça. Le Rustic Sound, c'est un petit sound system. C'est juste, on profite entre potes, on boit un coup, on carrément mange une glace ou un burger. Tu vois, et on découvre les acteurs locaux, et tu vois, ouais, ça va être sympa. C'est le côté local du festival. Ouais, ouais, ouais. Il y a des bons qui arrivent là. Ouais. Du coup on va s'écouter un petit vinyle là un peu plus stepper, donc c'est plus des productions récentes quoi, du Dawa Production. Donc c'est Lisa Denja et Wise and Prudent. Je te laisse mettre la track Alex s'il te plaît. Et c'est parti encore une fois. Yes. Now my name is Lisa Denja. Yeah, tell you right now I've got a message to deliver. Then I'm on the what we live on the world that is respect and honor. And that's when you leave out of your house, you go and work, go look at dollar. Yeah, make sure you pray to Jah Jah. What you put in is what you get out after. Then a month, the youth that we have to cater for. Well then, what was hidden from the wise and prudent is now revealing to the baby born suckling. Not physically, but a spiritually feeling. True reggae music say the truth it is revealing. Them fuckers.
un bon petit toujours. On continue, on est bien. On a une bonne sélection ce soir. Merci les gars, merci Romain. Ouais, bah merci à toi. Merci Fabien, c'est top. On échange, on enchaîne un peu d'électro dub, un peu on mélange. Alors on va continuer. Alors là on va être un petit peu plus électro de mon côté. Une petite découverte de ce début d'année. C'est un morceau des frères Jack Fruit et Imalazen. Je les ai découverts au Diapason à Rouen lors d'une soirée un peu underground. L'album, c'est tiré de l'EP Sous Système et le morceau s'appelle Adrar. Franchement, ces mecs, je les écoute pas mal en ce moment. Je les kiffe. Ils ont leur propre label d'ailleurs aussi, Maracuja Records. Voilà. Donc, bonne écoute à vous et ça va remuer un petit peu là. Allez, à tout de suite.
encore un bon petit morceau aussi, là, voilà. Alors, c'était les Jackfruits. Voilà, c'était bien cool. Je vous les frères écouter au fur et à mesure de mes émissions et ils ont fait quelques trucs pas mal. Je vais passer la parole à Fabien qui va continuer un petit peu à nous parler du Dubfield toujours et puis qui nous fera passer un petit morceau derrière. Donc, allez, à toi, Fabien. Yeah, man. Bah, écoute, oui, donc le samedi soir, je vais annoncer un peu le line-up. On a Chalice qui viennent poser leur sono. Donc ça, c'est des mecs de Lille, qui aux environs de Lille, exactement, et qui viennent avec leur sono handmade, artisanal, avec le son chaud des années 70. Tu vois, ils ont leurs amplis à lampe. Ça va être root music. Ça va être lourd. Si on doit regarder un petit peu le vendredi soir, on va plus être un peu dans du stepper, mais un peu plus excité. Et le samedi soir, plus roots. Ouais, roots music qui va jouer, ouais, carrément. On a Isaiah Davis, le chanteur, qui vient d'Angleterre aussi, qui va venir poser sur leur sono. Il va venir avec ses prods, il va venir chanter. Et ça va être un truc de... Ça va être vraiment bien. Et on aura... Natural Hi-Fi bien sûr qui va jouer en début d'après-midi et je vais vous présenter un autre morceau que Bellul Studio Natural Hi-Fi a fait avec Vivian Jones. Vivian Jones, c'est un gars qui est anglais aussi et qui joue avec Chalice, donc tu vois la connexion est faite. Come on, vas-y, balance. Pull up, c'est pas la bonne tune, vas-y, on remet. Ça, c'est aléas du direct, t'as vu? Ouais, c'est ça. Ah, c'est obligé que ça arrive, tu vois, on est sur la fin en même temps. L'ordi, voilà, le téléphone, la plastine vinyle, le CD. Ouais, c'est celle-là. Celle-là, vas-y, montre le son, man. On voit. I lose them, lose. Them bumbo clots,
when I'm free and fit up. Me say them bumbo clot when I'm free and fit up. I wear the bumbo clot me now free and fit up. Man, on s'écoute la version violon de cette tune. Vivian Jones, Ras Divarius, King Simon, Bellul Studio, Natural Hi-Fi. Woo! Yeah, man! Thank you.
Yeah, man. On était bien, on était dans le roots, là. Ah carrément, oui, c'est bon, carrément. Ça, Raz Divarius, you know. Bah, alors, il y a Fabien, là, qui va nous faire une petite présentation du Natural Hi-Fi. Natural Hi-Fi, hein. Ouais, Hi-Fi, ouais, j'ai pas man. L'accent, moi. On n'est pas anglais, nous. Moi non plus. Si, si. Tu vas nous faire une petite présentation. Ouais, ouais, bah, Natural Hi-Fi, c'est quoi? C'est quatre poteaux qui sont rencontrés, tu vois, autour de l'amour du reggae music, tu vois, c'est reggae dub music. Et on a monté une sono petit à petit au fil des années. C'est Daddy Home, Captain T, c'est moi Captain T. Il y a King Simon et Medicine Roots. Des collectionneurs avant tout, tu vois, qui se rencontrent, quoi. Vraiment, voilà, c'est l'amour du reggae. Et puis, on a organisé des soirées. On a monté un studio. On organise des soirées. Et puis là, eh ben, voilà, on monte un festival à Arte. C'est une première pour nous et on découvre tout et on avance et on a des gens qui nous soutiennent, qui nous aident et je fais un gros big up pendant que je suis là, Monsieur Rustic. Ah, merci. Qui travaille énormément avec nous et qui fait avancer les choses et voilà. Voilà, tout simplement, c'est, quoi. C'est, ouais, non, mais ça, eux, ça fait longtemps qu'ils sont là et ils méritent que le festival il fonctionne, quoi. Franchement. Ah ouais, mais on fait tout pour. En tout mais cas, il va fonctionner, c'est sûr. Ouais, grave, on n'a pas d'inquiétude avec ça. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Pour toutes les soirées qu'on a faites et tout ce qu'ils ont donné, je pense qu'on peut réussir à réunir un public reggae dub ici. C'est ça. Il y a le public, quoi, carrément. Oh, je pense qu'on est là et tout. Et même ceux qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas à fond dedans, peuvent être intéressés, quoi. Oui, ils vont venir. Il y a des gens. Voilà, il y a des gens qui vont venir faire un tour. Voilà, ouais, c'est le public qu'on cherche aussi à toucher, quoi. Ouais, faut partager. Toucher local, ouais. Et ouais. Partager les valeurs du reggae qui sont la paix, l'amour et l'unité. C'est en ça. Vrai, il y a personne qui peut aller contre ça, tu vois. C'est clair. C'est ça, c'est la puissance du reggae music. Yes. Yeah. Bon, bah du coup, alors on va se faire un petit rappel sur la date, le lieu, parce que. Ouais. On va pas tarder à se quitter. Moi, ouais. J'ai encore deux petits morceaux à vous passer vite fait l'un derrière l'autre. Donc, je vais laisser vite fait la parole à Fabien et à Romain pour faire une petite piqûre de rappel sur le Dubfeel Festival. Yes, bah carrément. Bah, Dubfeel Festival, du coup, 23 et 24 juin 2023. Arte, exactement. Donc, c'est, sur le stade de foot. Sur le stade de foot, c'est à côté de Marcigny. C'est à quoi, 1 heure de Lyon, 1 heure de Saint-Etienne. Ouais. 4 c'est ça, il y a Dijon, c'est ça, Grenoble. On est au milieu de la France, c'est en ça, vrai. En fait, c'est quoi, milieu, tu vois. C'est ça. C'est, pour un week-end, j'ai envie de dire, c'est pas si loin, quoi. Il y a le c'est camping. Ça, et puis c'est beau. C'est ouais, surtout ça, c'est beau. En pleine nature, c'est ça qui est cool. Ah, grave, c'est grave. Il y a toutes les informations, on les mettra peut-être sur la page Facebook du Radio Cactus. Yeah, moi je partagerai aussi, voilà, ouais, carrément. C'est ça, et puis allez voir, allez checker. Vous pouvez faire un Google Dubfeel, vous allez trouver toutes les informations. J'en place une spéciale parce que, en vrai, on cherche encore des bénévoles. Ah oui, ça c'est vrai. Il nous en manque quelques-uns, pas encore énormément, mais on a besoin. Donc, s'il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie, il ne faut pas hésiter. Il faut checker si aussi. Si vous voulez participer à l'aventure avec nous, il y a plein de petits on trucs. On est sur Facebook, envoyez un message. Si vous êtes chaud, nous, on est là. Et nous aussi, on va partager, vous inquiétez pas. Il y a Alex à côté qui me dit aussi. On va partager tous ensemble, tous autour de nous, avec toutes nos émissions, puis à Cactus, et puis les potes, tout. Enfin, voilà. Ça va aller loin. C'est cool. Ouais. Je fais un dernier mot pour toi, David. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui se motivent ici. Ma dose de dub, longue vie. Ouais, carrément. Ben, merci à vous, les gars. Moi, ça m'a fait hyper plaisir de vous accueillir. Parce merci. Que, bah, voilà, merci. Je pense qu'on s'est compris, on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Et je remercie aussi Alex qui m'a filé un petit coup de main ce soir. Oui. Yeah, big up, merci Alex. Alex. Je suis pas là. Mais ouais, non, franchement, merci. Non, sérieusement, merci à vous, les gars, et je vous remercie d'avance pour ce bel événement que vous allez organiser. Et de toute façon, ça va être full de people, il y aura plein de monde et ça va être un super festi. Yes, c'est sûr. Cool. Merci à vous. Merci à toi. C'est franchement, cool. n'hésitez pas à venir vous renseigner un petit peu sur le festival. Ouais, si vous avez des questions, on est là. Passer, ouais, voilà, poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, de toute façon, je referai encore de la pub pour le Festoche sur mon émission de juin. Et puis régulièrement, de toute façon, cool. je serai là pour vous. Parce que, et je serai là,
je pense qu'il y a de grandes chances que je sois là le samedi avec vous aussi. Ouais. Allez, ah, faire pas hésiter, ouais. Faut passer, tu m'étonnes. J'en profite pour appeler mes amis de Paris là. Mes deux copains avec qui j'ai passé beaucoup de temps à l'école, s'ils veulent venir, c'est pas si loin que ça, Paris. Même tous les Parisiens, s'il y a d'autres Parisiens qui nous écoutent, franchement, c'est 2h30 en TGV, 4h en voiture pour un week-end de reggae dub. C'est ça, King Simon et Millie Sinrous, ils peuvent te dire, c'est pas très long, ils le font, les soirées, l'aller-retour, ils le font. Donc profitez-en pour venir. Carrément. Bon, bah voilà, les amis, on arrive sur la fin de l'émission, donc c'est parti pour les deux prochains morceaux. Après, vous ne nous entendrez plus. On a beaucoup parlé. On a aussi beaucoup passé de musique. Donc, pour les deux prochains morceaux, je vais vous passer un petit Tetra Hydroka et le titre Playmobil Knight. C'est l'album Lobotomie, paru en 2016. Et on finira avec mes artistes du moment, l'entourloupe, avec Downtown, le morceau Downtown. De l'album La clarté dans la confusion, le dernier album, voilà, leur dernier album sorti. Donc bonne fin de soirée à vous tous et que vive le dub. Yes, I.
Vous avez le temps.